bienvenue. Donc, comme tout arrive, ou presque, je dis bien presque, on a fini par me proposer, à force de demander dans le coin, d'aller récupérer du bois mort, c'était de l'acacia. Les arbres tombés à la tempête 99, donc un petit peu longtemps, mais pas au sol. Juste comme ça, mort, donc bien sec, bien dur. Et donc j'y suis allé hier après-midi, et j'ai commencé à couper des morceaux. Donc le premier était bien dur, mais était pourri au milieu. Et après, ça a commencé à être des morceaux tellement petits qu'en fait, il aurait fallu que j'en récupère des mètres et des mètres pour cuber du tout petit truc et du machin. Donc je me suis aperçu, en plus je me suis fait bouffer par les moustiques, donc je me suis aperçu que je trouverais pas rapidement là tout de suite, parce qu'en plus maintenant on fait plus de bois, fin mai, on arrive fin mai, là les gens font plus de bois, donc je trouverais pas rapidement de quoi faire un bio. Donc j'ai refait un tour de mon bazar, hein, de mon bois, et j'ai ressorti des gros morceaux, des petits bouts, des trucs, et je vais cuber tout ça pour faire un bloc. Ce sera une espèce de patchwork bizarre, mais il doit y avoir le volume pour faire ce qu'il faut. Donc on va faire ça. Donc beaucoup du copeau, l'ajustement, et puis du collage, et puis après surprise. Allez, on fait ça. On va commencer par celui-là. Bon, le problème, c'est qu'il fait 300 de large. J'ai besoin de le dégauchir parce qu'il est tout pas plat. Et sauf que ma dégo rabot, elle passe que 260. Donc je vais déjà le couper en deux. Et après, je recoupe en deux. Ça, j'aurai 1, 2, 3 bouts. Et ça ira bien. Et puis après, on recolle. Allez, hop.
j'ai combien? Et merde, putain! Qu'est-ce que j'ai merdé? Putain, il me fallait 550. J'ai 549. Merde! Bon, impeccable. Deux faces parallèles. On va mettre l'enclume dessus maintenant. Et ben voilà. Impeccable ça quand c'est parallèle. Alors j'ai préparé quatre cornières. Hein. En fait, on met aux quatre coins. Alors, ce que je vais faire, c'est renforcer les coins et mettre des tirants pour bien emprisonner le bois. Je vois pas que ça se décolle. Et si ça se décolle, je vois que ça reste un bloc. Donc dans un premier temps, je vais positionner les cornières avec des tirs fonds, donc j'ai fait des trous dans les cornières. Donc on voit bien que je fais les trous pas au même niveau. Parce que c'est con, mais quand les tirs fonds ils se croisent ou ils se croisent pas, on fait les trous au même niveau, bah ils se croisent pas. Bien pensé. Donc voilà, les cornières sont vissées. Donc j'ai quatre coins relativement sympathiquement solides que je vais relier avec du plat. On voit bien sur le dessus que tout est parfaitement bien collé. Les surfaces de contact sont optimales.
Ça sonne plus. Impeccable. Maintenant, on attrape là et hop! Ah merde! Rapport! Tester quand même. Ouais, bah c'est pas mal. Il y a une meilleure réaction de l'enclume. Tape moins pour faire plus. C'est bien. Bon, c'est juste un essai, on va pas en faire beaucoup plus. Non, mais je suis content, ça réagit bien, bien, bien. Ça renvoie bien l'énergie. En fait, il faut une grosse enclume, il faut pas une petite. Petite, on fait des petites choses, dès qu'on veut faire plus gros, il faut plus gros. On gagne son temps, en fait, et sa forme physique. Allez, très bien. Et voilà, c'est terminé. Donc, une enclume, grosse enclume, pour travailler là. Donc elle est mobile, parce que je ne vais pas la laisser dans le passage. Je la mettrai là quand je fais de la forge, autrement je la range dans le fond. Donc voilà, c'est très bien, ça se bouge tout seul, c'est pratique, il n'y a plus qu'à s'en servir. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a changé les idées, eh bien c'est bien. Moi aussi ça m'a diverti et changé les idées, donc c'est bien. Donc vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir !